Salut à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit peu donc mes vernis préférés pour ce printemps. Donc comme c'est écrit dans le titre, à petit prix. Donc je vais commencer tout de suite parce que je veux pas que la vidéo soit longue. Donc j'ai 7 vernis à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec un vernis de chez Kiko, donc le 287. Donc c'est un framboise que je trouve vraiment mais magnifique, je l'adore. C'est un des premiers chez Kiko que j'ai eu et c'est vraiment mon préféré. Donc quand j'en aurai plus, parce que on dirait pas en fait, on dirait qu'il est plein, mais non, enfin je fais que l'utiliser depuis un an et demi, donc il n'est pas plein et je le rachèterai sans problème. Pour rester un peu dans les mêmes teintes, j'ai, oh ça ressemble pas du tout à la même couleur, c'est génial. Donc un vernis chez Générique que je vous ai présenté dans le concours d'ailleurs, les résultats arrivent très prochainement, mais j'ai été malade et tout ça et donc j'étais pas très bien pour filmer, j'ai eu des problèmes et tout, enfin voilà. Donc j'étais pas apte à filmer, je suis vraiment désolée, mais là j'ai plein d'idées de vidéos donc qui arrivent vraiment très bientôt. Bref, on revient au générique. Donc là vous le voyez vraiment violet, alors qu'en fait il est vraiment mauve, il a plus des sous-tons roses, donc il est vraiment magnifique. Vous pouvez aller peut-être le voir sur internet, c'est le New York. Ensuite, pour essayer vraiment dans des teints qui flashent, un que j'aime beaucoup, déjà j'aime trop le petit packaging, c'est un petit Yves Rocher, un bleu canard, donc le 61, qui est vraiment, mais je trouve, super joli, super original comme couleur, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Tous les vernis que je vous présente sont à moins de 5 € ou 5 € à peu près, donc c'est vraiment rien du tout et... Franchement, pour la qualité des vernis que je vous présente, je trouve ça excellent. Donc ensuite, un que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus nude, qui est même nude j'ai envie de dire, c'est un de chez Mavala. Donc c'est un rose poudré, vraiment nacré, qui est magnifique. C'est le 366 Glamour. Voilà, je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment super joli. Donc moi j'ai de la chance parce que je sais qu'on ne trouve pas du Mavala partout, mais moi dans mon village même, il y en a à la pharmacie. Donc voilà, moi je les achète à la pharmacie et j'en suis vraiment folle, j'adore les Mavala, ils sont vraiment super jolis et cette couleur plus particulièrement parce que ça va avec tout. Quand on veut pas une couleur et qu'on veut vraiment du nude, on met ça et ça passe vraiment impeccable. Ensuite, pour rester un peu dans le nude, donc c'est un combo que j'avais acheté au sol. Donc c'est deux vernis de chez ELF. Donc là c'est le métallique élégance et celui-ci c'est le nude qui s'appelle. Et donc j'adore les porter ensemble. Donc il me semble que j'avais payé, il y en avait deux autres avec, j'avais dû payer 4 € les 4 vernis. Donc c'était vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. Mais même ça avait été 8 € les 4 vernis, c'était pas cher. Donc voilà, je les ai eu à 1 €. Ils sont fabuleux, j'adore les porter ensemble et j'adore rajouter sur un ongle ou juste en faisant un trait sur les ongles. Un de chez Maybelline, le Color Show, avec une couleur qui pète vraiment énormément, qui est magnifique. C'est le Pow Green 754. Donc voilà, et il est magnifique, c'est un super joli vert anis qui est... limite on dirait qu'il y a un peu qu'il est jaune, enfin je sais pas, moi je vois pas les mêmes couleurs que les gens apparemment. Et donc voilà, franchement ça c'est ce que j'adore pour le printemps, ces trois couleurs ensemble séparément, j'adore. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées de vernis. Donc n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires vos vernis préférés, me donner les références, les marques, etc. ou si vous avez des bons plans. Donc moi je vous fais des gros bisous et à très bientôt.